Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, le cours va porter sur le carbone asymétrique. Au programme du terminal S, vous devez identifier les atomes de carbone asymétrique dans une molécule donnée. Alors, première question, qu'est-ce qu'un carbone asymétrique? Un carbone asymétrique, il faut apprendre par cœur. Carbone asymétrique, on le représente par un petit astérix au-dessus du carbone. D'accord? Et il a 4 substituants différents. Jusque-là, rien de bien compliqué. Il faut juste apprendre. Carbone asymétrique, l'astérix, 4 substituants différents. Je vais tout de suite donner un exemple. Alors, j'ai cette molécule là. Rappel de nomenclature, 3 carbones, donc propane, la fonction alcool, donc propane de Hall. Ici, mon premier carbone, il est lié à 3 hydrogènes et un autre carbone. Est-ce que c'est un carbone asymétrique? 4 substituants différents, là j'ai 3 fois d'hydrogène, c'est pas un substituant différent, donc c'est pas un carbone asymétrique. Ainsi que le même schéma pour le CH3 qui est ici. Donc le seul carbone asymétrique ici dans cette molécule, d'ailleurs, est-ce qu'il y en a là, sur le CHOH? On va regarder. J'ai un CH3, j'ai un OH, j'ai un H, ça c'est bon, jusque-là j'ai 3 substituants différents. Et là j'ai un CH3. Est-ce qu'il y a 4 substituants différents? Non. Puisque là, j'ai 2 fois le CH3. Ok. Je change. Rappel de nomenclature. 1, 2, 3, 4. 4 carbones. Donc, butane de Hall. Ici, cette fois-ci, même question. Le CH3, il n'y a pas 4 substituants différents. Si on s'intéresse ici au CH2, il a 2 hydrogènes. Ce n'est pas 4 substituants différents. Ce carbone ici, par contre, cette fois-ci, il a un CH3, un OH, un hydrogène, un CH2, CH3. Donc, il a bien un carbone asymétrique. Ce carbone-là, si je le regarde, il a un hydrogène. C'est pas pareil qu'un hydroxy. C'est pas pareil qu'un CH3. Et c'est pas pareil qu'un CH2, CH3. Donc ici, j'ai bien mon carbone asymétrique. Donc, on va faire quelques exemples pour chercher les carbones asymétriques. Donc, on va représenter en formule topologique, puisque c'est au programme de Terminal S. Je vous invite à voir la vidéo sur netprof.fr si vous ne savez plus représenter en formule topologique. Alors, hop. Hop, hop, image 2. Voilà. On va même faire ça comme ça plutôt, ce sera plus simple. Ensuite, ici une fonction amide, on va réviser un peu. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Je pourrais lui mettre un CH3 ici, mettre CH3, CH2. Voilà. Ensuite, on va trouver 3 exemples. 4, ouais, 3 exemples. Une fonction acide carboxylique. Voilà. Donc il faut trouver les carbones asymétriques. Je vous laisse réfléchir chez vous. Si vous avez déjà réfléchi, voici les réponses. Ici, j'ai un CH3. On a vu tout à l'heure, CH3, c'est pas un carbone asymétrique. Okay.
Le carbone qui est ici, il est lié à une fonction OH, NH2, CH3, plus tout ce groupement-là. Donc, le OH est différent de NH2, différent de CH3 et différent de tout ce groupement-là. Donc ici, on a quatre substitutions différentes, on a un carbone asymétrique. Ici, CH2, il a deux hydrogènes, pas la peine de s'attarder là-dessus. Ici, nous avons un groupe, donc CH plus un éthyle plus un méthyle, donc éthyle différent de méthyle, d'accord, et différent de tout ce groupement-là. Donc là, encore une fois, nous avons un groupement, un carbone asymétrique. Donc si je représente ce carbone-là que je vais nommer 2 et celui-là, 2, 3, 4, 4. On regarde bien, c'est 2, donc il a OH différent de NH2, différent de CH3 et différent de tout ce groupement-là. Je vais l'appeler R. Le C4, il a un CH3 qui est différent de l'hydrogène, qui est différent de tout ce groupement-là. Donc je vais l'appeler R2. Et différent, ici, donc j'ai un CH2-CH3. CH2-CH3. Voilà. Cette molécule-là. Donc ici, il y a un CH3. On ne s'en occupe pas puisqu'il y a déjà trois hydrogènes. C'est mort. Ici, le CH2, même problème. Ici, le CH2 aussi, pareil. Alors ici, c'est intéressant. On a une fonction alcool. On a ce groupement-là qui est différent de ce groupement-là. Donc ici, j'ai 1, 2, 3. Donc ici, c'est propyle. Et ici, j'en ai 1, 2, c'est éthyle. Donc là, j'ai propyle. Là, j'ai éthyle. Et là, j'ai ce groupement-là. Donc, on a bien quatre substituants différents. Donc, on a un carbone asymétrique ici. Ici, le carbone CH2, on n'en parle pas. Ici, est-ce que j'ai un carbone asymétrique? Ici, j'ai tout ce groupement-là, qui est différent de méthyle, qui est différent d'NH2, et qui est différent d'un éthyle. Donc, carbone asymétrique ici. La dernière molécule, ici pas de carbone asymétrique, pas de carbone asymétrique, pas de carbone asymétrique, non. Ce carbone-là qui est lié donc, à ce groupement-là, il est différent du méthyle, différent de la fonction acide carboxylique. Ici il y a un hydrogène, donc là encore une fois, quatre substituants différents. Je vais quand même justifier ma réponse pour le dernier. Donc, je vais numéroter 1, 2, d'accord? Donc, pour C2, j'ai COH différent de CH3, différent de H et différent de O, CH2, CH2, CH3. Et voilà. Je vous dis à bientôt sur netprof.fr et si vous avez des questions, n'oubliez pas romainlev@gmail.com.